Donc, bienvenue à tous. Si vous avez une question, peut-être. J'ai un Ivas Prabhu. Pas de question. D'accord. Personne n'a une question? Pas quelque chose d'élevé, quelque chose de basique. C'est quoi? Non, ça c'est pas. Non, ça c'est pas une question. Ok. Omagana Timilandasya, Genam Janam Shalakaya, Shakshur Meditam Jainata Ismei Shigulavenam. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vidanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Prachaline. Nilveshe Shasunyavadi Prachatyade Shataline. On pourrait poser cette question. Mais pourquoi les gens cherchent l'amour alors que l'amour les fait souffrir? Bien qu'ils souffrent de chercher l'amour, ils ne peuvent pas s'arrêter de continuer à le chercher. On voit quand les êtres tombent amoureux et que ça ne se passe pas bien à un moment, parce que tout a une fin en ce monde, alors en proportion qu'on a aimé, en proportion on souffre. Et même ça peut être pire encore. Parce que si on a aimé, automatiquement, on aime d'une manière souvent très... sans se focaliser véritablement sur l'objet d'amour. C'est un principe. Ça veut dire que on travaille, on a aussi des activités, et puis de temps en temps, ça devient comme une routine, l'amour. Ça fait partie de notre vie, l'attachement. Et puis quand l'objet d'amour s'en va, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se concentre dessus. Et naturellement, tous les bons souvenirs vont revenir, la lamentation, les pleurs, est quelque chose qui amène une dévastation. Vrai ou pas? Et c'est une souffrance extrême. Mais bien qu'on connaisse de telles souffrances, on recommence encore et encore et encore. Vie après vie, vie après vie, vie après vie, sans pouvoir faire autrement. C'est impossible pour l'être conditionné de ne pas s'attacher. En fait, c'est une qualité de l'âme. L'âme, elle est manifestée à l'image de Dieu. Elle est une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le sens qu'elle a une bonne proportion des qualités du Seigneur, mais d'une manière infime. Et dans ces qualités, naturellement, il y a cette propension à aimer. On est manifesté pour ça. Mais quand c'est en rapport avec Krishna, c'est parfait. Parce que Krishna, il ne peut pas nous décevoir. Parce qu'il est sans limite. Tout ce qu'on cherche, c'est en lui. Mais quand on n'est pas connecté avec Krishna, on n'a pas le choix que de s'attacher à des choses qui sont éphémères, temporaires et très limitées. Parce que c'est la nature de l'âme. C'est pourquoi des grandes personnalités comme Bouddha ont réalisé que la nature de la souffrance vient de l'attachement. Et qu'en se détachant du monde, la souffrance s'arrête. Dès que vous vous attachez, vous devez souffrir. Donc, le processus du service de dévotion, c'est de recevoir le vrai objet d'attachement. C'est pourquoi tous les Vaishnavas acceptent leur renoncement. Même ceux qui se marient, Prabhupada explique, dès le début qu'ils se marient, ils renoncent. Il n'y a pas d'attachement dans les Vaishnavas. Parce que si on s'attache, en fait, on ne peut pas s'attacher à Krishna. Parce que
l'objet d'attachement qu'on va avoir dans le cœur, il va prédominer sur nos sentiments, sur nos activités, sur toute chose. Ça voudra dire qu'on va être dans une action mixte. Ça veut dire qu'on va accepter le Seigneur, mais d'une manière mixte dans notre vie. Parce que notre objet d'attachement, il n'est pas Krishna. Donc automatiquement, si notre objet d'attachement est une femme ou un homme, le Seigneur passe en second plan. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on vit une vie ensemble, mais Krishna est loin. On ne peut pas développer l'amour pour Krishna. C'est un principe. Si vous étudiez, par exemple, les textes de Bhaktivinoda Thakur dans ses prières, c'est ce qu'il explique, en fait. Il explique aujourd'hui, j'ai réalisé que tu es dans mon cœur. Hein? Que ce corps, c'est ton temple et que je suis ton dévot. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, cette maison, ça sera la tienne. Mon épouse et mes enfants, ça sera tes serviteurs. C'est un renoncement extrême. Il n'y a pas de sentiment illusoire dans le Vaishnavisme. Pourquoi ? Parce que si on accepte une dévotion aussi pure, on devient introduit dans la demeure du Seigneur. En fait, notre propre demeure matérielle, notre propre épouse, notre propre mari et enfant, nous introduisent même dans cette demeure éternelle. Parce que le Seigneur va accepter, en fait, que cette demeure que nous avons, c'est une, comment dire, c'est un agent pour être introduit, en fait, dans sa demeure. Ça veut dire qu'extérieurement, on servira notre famille, mais intérieurement, le monde transcendantal va aussi se révéler. Mais s'il y a le moindre attachement, alors ça devient mixte. Et quand c'est mixte, le Seigneur simplement, il observe. Parce que le désir, en fait, des êtres vivants, si ce n'est pas de devenir des purs dévots, Krishna, il ne peut pas réciproquer avec eux. Parce que lui, il ne connaît qu'une chose, c'est l'amour pur. Bhaktiman Abhijanate, il dit, c'est la seule façon de me connaître. Ça c'est déjà... Krishna dit, ni par l'étude, ni par la, comment dire, la charité, l'adoration formelle, etc., on peut me connecter. Simplement par la dévotion. Donc, on ne doit pas faire l'erreur de s'engager dans la vie pour créer une prison. Vous comprenez ? On doit bien réfléchir et mettre les choses en place pour que ce qu'on bâtit, ça devient une source de libération. Or, l'attachement, c'est la prison. Si le Srimad Bhagavatam explique, si au moment de la mort vous pensez à une femme, vous obtenez un tort de femme. En fait, Krishna dit, les dernières pensées au moment de la mort, c'est notre conscience. Et ça nous transporte dans un autre corps. C'est pour ça, il y a des lois, véritablement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, dans ce monde, les femmes ou les hommes, ils aiment sentir le corps des hommes ou des femmes. Ça les enivre. Mais un bhakta, lui, il sent que le corps du Seigneur, que le parfum du corps du Seigneur. Ou des choses qui sont reliées purement à lui. On doit toucher que des choses qui sont reliées au Seigneur. On doit manger que des choses qui sont reliées au Seigneur. On doit voir que des choses qui sont reliées au Seigneur. Donc la seule façon d'obtenir cette dévotion pure, c'est de s'accompagner de personnes qui veulent la pure dévotion. Sans ça, c'est un gouffre. Si on s'associe avec une personne qui ne veut pas la pure dévotion, on est obligé de se diluer. Parce qu'on n'est pas pur. Si on n'est pas pur, on est obligé de se diluer. C'est pourquoi le Seigneur Rishabhadev, il explique qu'on accepte le gourou simplement si c'est une âme libérée. Au point qu'il dit que si quelqu'un doit être un professeur, il doit pouvoir libérer ses enfants. Ses élèves. Si quelqu'un est mari, il doit pouvoir libérer son sang, ne devrait même pas prendre épouse et faire des enfants, etc. C'est pas si simple.
Quand Krishna dit Tadvidi Paripassana, Paripassana Sevaya, il dit qui est le gourou? Celui-là qui voit Krishna. Celui-là, on peut suivre. C'est pour ça que dans ce monde, on a un rôle, on a un environnement, on a un rôle. Mais intérieurement, on sert Krishna. On ne devient pas lié dans cette illusion. Vous comprenez? C'est très important. Parce que si on n'est pas relié avec des purs dévots, alors naturellement, la nature, notre activité, elle sera mixte. C'est pourquoi intérieurement, extérieurement, bien qu'on ait une situation, intérieurement, on perçoit les choses toujours différemment. À travers notre relation avec Krishna. Ou à travers notre relation avec la Guru Parampara, avec les purs dévots. Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'on donne son cœur qu'à des purs dévots. Parce que si vous donnez votre cœur à quelqu'un qui est mixte, votre cœur devient mixte. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous entendez des choses sur la pure dévotion, ça va vous déranger. C'est un réflexe, en fait. Si vous lisez le Bhagavatam, ça va vous déranger. Ou alors, vous allez avoir une conception du Bhagavatam, mais qui n'est pas pure, interprétée. S'il y a un mot qui veut dire ça, vous direz, là, il y a peut-être une erreur. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut bien accepter notre vie à travers les Écritures et à travers une guidance, si on veut obtenir le succès. Et le succès, il peut être obtenu dans toutes les conditions. Ce n'est pas simplement pour des gens qui renoncent et qui vont vivre en Inde, ou dans une montagne, dans une grotte. C'est simplement une conscience et d'engager les choses avec telle conscience. Par exemple, vous pouvez aller dans un endroit où les gens boivent de l'alcool. Et ce n'est pas pour autant que vous allez boire de l'alcool. Vous pouvez aller dans un endroit où les gens se droguent. Ce n'est pas pour ça que vous allez vous droguer. Et bien de la même manière, vous pouvez aller dans un endroit où les gens vivent une vie diluée, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vivre avec une vie diluée. La seule cause pourquoi on va se diluer, c'est l'attachement. Parce qu'une fois qu'on est attaché, on doit faire des concessions pour que l'objet de notre attachement reste avec nous. Donc si l'objet de notre attachement, c'est un pur dévot, c'est favorable, parce qu'on va tout abandonner pour devenir un pur dévot. Mais si notre cause de notre attachement, ce n'est pas un pur dévot, on va se diluer graduellement. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur explique qu'on donne son cœur qu'à des purs dévots. Parce que sans ça, on n'obtiendra pas le succès dans cette vie. C'est très important. Parce que Bhaktivinoda Thakur explique que le principe de l'association, quand on donne son cœur, c'est qu'on partage les qualités matérielles et les défauts d'une personne. Alors que si vous donnez votre cœur à des purs dévots, vous obtenez Vrindavan, vous obtenez la libération, vous obtenez l'amour de Dieu. Ce n'est pas le même gain. C'est ce que les Écritures expliquent. L'attachement à un pur dévot, ça ouvre la porte de la libération. C'est pourquoi tout le monde n'est pas gourou. Par exemple, dans les textes védiques, on dit par exemple que le mari est considéré comme le gourou. Pour aller au plat d'Hénénique, oui. Ici, il est un pur dévot, oui. Mais au niveau de la bhakti, c'est un petit peu, c'est légèrement différent. Parce que dans les textes prêchent sur différents niveaux. Il y a différentes histoires. Même dans le Bhagavatam. On devrait voir le gourou dans toute chose, en réalité. Parce que Krishna est partout. Une fois qu'on suit dans les traces des purs dévots, à ce moment-là, on peut voir le gourou dans toute chose. Mais si, par exemple, une femme est mariée ou un homme est marié, quoi, une femme parce que l'homme est considéré comme le gourou, hein, mais si la personne elle n'est pas pure, donc vous allez suivre quoi? C'est de la folie.
vous allez suivre quoi? Où est la bhakti dans le cœur d'une personne? C'est ça qu'on suit. Vous allez suivre quoi? Vous comprenez? Vous allez obtenir quoi? Alors bien sûr, c'est vrai. Le Seigneur est satisfait si une femme suit son époux. C'est vrai. Mais quand le Bhagavatam parle d'époux, c'est quel genre d'époux? Lisez le Bhagavatam, vous allez voir. C'est ça que le Bhagavatam parle. C'est ce genre d'époux que le Bhagavatam parle. Et c'est ce genre de femme que le Bhagavatam parle. Draupadi, Arjuna. Kashyapa Muni, Aditi. Donc on ne doit pas interpréter les Écritures. On doit les comprendre à travers les purs névos. Si une personne n'est pas pure, on doit faire son service à travers les Vaishnavas. Ça reste notre gourou qui prédomine, pas un mari. Sans ça, on va rencontrer des problèmes dans notre vie. Et ça, c'est pour tout le monde. Parce que ce qu'on veut atteindre, ce n'est pas la direction du mari. Parce que si une femme chaste suit son mari, dans sa prochaine vie, elle obtient le gain que le mari a eu. Mais si le mari, ce n'est pas un pur dévot, qu'est-ce qu'elle obtient? Vous comprenez? Donc le point, c'est qu'une femme peut devenir beaucoup plus qualifiée qu'un mari. Dans la conception de la dévotion pure. Une femme peut devenir plus qualifiée qu'un mari. Beaucoup plus qualifiée qu'un mari. Parce que si elle suit gourou et shastra, même si le mari n'est pas qualifié, dans son cœur, la relation avec Krishna se manifeste. Et elle peut même inspirer le mari à progresser. Alors bien sûr, les hommes, ils ont un gros faux ego souvent, et ils n'aiment pas que les femmes leur dictent leur vie, ou les influencent. Vous comprenez? C'est vrai, c'est une réalité. Les hommes ont un gros faux ego. C'est moi le maître de la maison. Et c'est vrai que les écritures védiques, même Prabhupada dit, si une femme, elle n'a pas cette humilité, c'est très difficile qu'un couple reste. Mais ça, on le fait dans un esprit de servir Krishna et servir Guru. Et de cette manière-là, l'harmonie est là. Parce que si le mari n'est pas un pur dévot, on ne l'adore pas comme un pur dévot. Ça, c'est de l'imagination. C'est de la pure imagination. Un chat et un chat, un chien et un chien, un chameau et un chameau. Quelqu'un est un être humain, quelqu'un est dans la vertu et quelqu'un est dans la transcendance. Sans ça, ce sont des choses imaginaires. Avec l'imagination, on pense avoir un gain, mais on n'obtiendra pas le gain parce que c'est de l'imagination. Par contre, servir les enfants, servir le mari, servir le Seigneur à travers cette demeure, ce n'est pas de l'imagination. On peut avoir le gain. D'ailleurs, on devrait servir l'humanité de cette manière-là. Et pas simplement juste des enfants. C'est pour ça qu'il y en a qui renoncent pour servir l'humanité entière. C'est ça la bhakti. La bhakti, c'est qu'on peut obtenir le gain à travers même un mari pas qualifié. Mais pourquoi? Parce qu'intérieurement, on est connecté avec notre filiation spirituelle, avec Srila Prabhupada, avec les purs Vaishnavas. Et on sert les êtres vivants à travers leurs instructions. C'est comme ça qu'on atteint la perfection. Ce n'est pas qu'on invente notre façon de faire. Sans ça, c'est qu'on a déjà dévié. C'est ça qu'enseignent nos acharyas. C'est pourquoi il n'y a aucune
situation qui est défavorable. Aucune. La seule situation qui est défavorable, c'est notre mauvaise compréhension. C'est, si vous voulez discuter, ce n'est pas la peine que vous soyez à la classe. Il faut apprendre à tenir tranquille un peu. OK ? Il comprend le français ? Tu m'as compris ? Alors, essaye de m'écouter. C'est important. Je t'aime. Hein. Mais c'est mon devoir de te reprendre aussi. Ça va, encore 10 minutes. Je sais, c'est long. Mais... Hein, c'est... Pour les enfants, c'est pas évident. C'est vrai. C'est le genre de sujet, c'est inintéressant. Mais bon, pour nous, c'est aussi important. Hein. C'est important. Est-ce que vous avez une question ? Oui. Ouais. D'accord. Le point, c'est que le Seigneur a créé dans l'homme et la femme des qualités et des devoirs, originellement. Ça veut dire que l'homme avait des qualités de protéger son épouse, de pourvoir à son besoin, etc., etc. Et la femme devait... créer l'harmonie dans le couple, par le fait de servir son époux, le voir comme son gourou, le voir même comme son Dieu, quelque part. Et elle obtenait la miséricorde du Seigneur rien qu'en agissant comme ça. Mais on est dans l'âge de Kali. Ça, c'est les autres âges. Et dans l'âge de Kali, c'est plus difficile. Parce que les hommes ont plus de qualité et les femmes ont plus de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pas facile. On accepte toujours ce principe, bien sûr. Mais comme je viens de dire, dans le couple, on doit naturellement... Maintenant, par exemple, l'homme et la femme sont obligés de travailler. Sans ça, ils n'y arrivent plus. Il n'y a plus assez d'argent pour maintenir un couple. Avant, la femme pouvait rester au foyer, s'occuper des enfants. Elle était le gourou des enfants. Elle instruisait les enfants. Elle pouvait recevoir son époux après le travail, etc. etc. Mais maintenant, on n'est plus dans la même situation. Donc, qu'est-ce que le devoir de l'épouse ? En fait, le devoir de l'épouse, il reste quand même dans cette conception. Ça veut dire qu'elle doit servir le mari. Parce que l'homme, il a dans ses gènes, dans son conditionnement matériel, une nature de régner. C'est comme ça. Chaque homme, c'est un peu animal, excusez-moi, mais il a son territoire et il règne sur sa famille. C'est un peu comme le lion, la lionne et les lionceaux, c'est animal, hein. c'est un conditionnement, hein. C'est comme ça. Hein. Et dans ce conditionnement, si l'homme y règne pas, ça va pas, ça peut pas durer. Donc déjà, la femme, elle doit avoir une attitude quelque part de soumise, mais soumise si l'homme a des qualités, sans ça c'est l'enfer, c'est pas évident. C'est pas facile, vous comprenez. Donc avant de se marier, il faut vraiment vérifier si une personne est qualifiée ou pas. C'est pas qu'on s'emporte. C'est pas si simple. On devrait même faire un thème astral pour voir si on est compatible. Sans ça, c'est pas si simple que ça. Parce que dans le monde matériel, on tombe amoureux. Et à partir de là, on s'engage, on ne sait pas, on va vivre d'amour, il n'y a pas de problème. Tu me regardes, je t'aime, tu es belle, tu es beau, tu as tellement de qualité. Puis à un moment, ça passe. Et donc, on organise comment après ? Vous comprenez ? Ben, l'organisation, c'est que on doit avoir une étiquette dans notre vie. Par exemple, un aîné, il doit être miséricordieux envers quelqu'un de plus jeune. Et pour que ça marche, le plus jeune, il doit respecter le plus vieux. De cette manière-là, il y a une harmonie. Si le jeune ne respecte pas le vieux, tout est cassé. Et bien de la même manière, si une femme ne respecte pas son mari, et si elle ne tolère pas, quelque part, certaines choses que le mari fait, ça ne peut pas marcher. Parce que la nature a été faite comme ça. Donc le devoir de la femme, c'est avant tout, hein, de créer cette harmonie et de protéger l'époux.
Srila Prabhupada explique qu'une femme, c'est comme le feu, et l'homme, c'est comme le beurre. Si vous mettez le feu et le beurre ensemble, le beurre fond. Aucun homme, Prabhupada explique, ne peut contrôler ses sens dans la présence d'une femme. À moins qu'il soit un pur dévot. C'est impossible. Une fois qu'un homme est tout seul dans une pièce avec une femme, il tombe, qu'il soit marié ou pas. Les écritures védiques même, vont jusqu'à même dire qu'un enfant peut être agité en présence de sa mère, sa propre sœur, son propre enfant. C'est pas facile. Donc, le rôle premier de la femme, c'est de protéger l'homme de la concupiscence. C'est expliqué, Prabhupada a dit, c'est une forteresse pour l'homme. Si une femme est chaste et forte, l'homme devient fort en spiritualité. C'est pourquoi que dans l'âge de Kali, c'est extrêmement difficile d'avoir une vie spirituelle, parce que comme les femmes ne sont pas chastes, les hommes pensent qu'à la vie sexuelle. Alors que si un homme il est avec une femme vraiment chaste, alors il peut être paisible, vous comprenez, et se focaliser sur la vie spirituelle. Donc ça, c'est un rôle très important de la femme. La femme, elle est l'équilibre social. C'est pour ça que Prabhupada explique que la société védique tend à protéger la femme pour qu'elle reste chaste. Parce que si la femme est chaste, les hommes peuvent avoir une vie spirituelle. Ce n'est pas possible. Donc ça a un rôle énorme. Et l'éducation aussi, parce que c'est elle qui éduque les enfants. Donc si la femme est avancée spirituellement, les enfants deviendront des spiritualistes, des dévots. Donc le rôle de la femme est très très important. Et puis naturellement, elle doit apporter la gaieté dans la maison. Elle doit être l'inspiration de l'époux. C'est pour ça qu'une femme, elle doit être jolie. Elle doit être jolie pour son mari. Parce que de cette manière-là, le mari aussi, il est satisfait et paisible. Sans la femme, il n'y a pas d'équilibre dans la société. C'est pour ça que les femmes, elles doivent cultiver des qualités. Mais si l'homme n'a pas de qualité, c'est de l'esclavage. Vous comprenez? Et c'est ça le problème de notre société. C'est qu'il y a des religions, par exemple, qui prônent cette vérité sur la femme, mais les hommes n'ont pas de qualité. Donc ça devient de l'esclavage et c'est horrible. Vous comprenez? C'est horrible. Ça veut dire que la femme est soumise à un homme qui n'a pas de qualité. Et ce n'est pas évident. Et les qualités, on ne parle pas de qualité matérielle, on parle de qualité spirituelle. Donc, c'est presque impossible d'avoir un mari comme ça, parce que ça serait un pur dévot. Donc dans le cas d'un couple normal, on va dire, on accepte ensemble de se marier pour renoncer. Et on sert Guru et Radha et Krishna Goranga dans notre couple. Et on devient graduellement qualifié. Mais on est juste des amis, en fait. Il n'y a pas une conception d'amour passionné, vous comprenez? Ça veut dire qu'on devient, on se met ensemble pour atteindre la perfection. Sans ça, dès le début, il y a un problème. Et tous les couples des dévots qui se sont mariés, en fait, pour les amourettes, ça a tout cassé. La femme, souvent, c'est expliqué que 90% des cas, la femme arrête de chanter et de pratiquer. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'autorités spirituelles, et ils me disaient ça, en fait. Elle reposait tout sur son époux et ils arrêtaient de pratiquer. Donc, à un moment, le mari n'en a marre. Ou si le mari, à un moment, il pratique mal, la femme, si elle pratique bien, ça ne marche pas. Elle va se sentir, qu'est-ce que je fais là? Elle va se sentir dans une prison, elle va voir, son foyer est une prison. Ce n'est pas une libération. Donc il faut que les époux, ils ont le même désir d'atteindre la perfection. Ou alors c'est des matérialistes. Vous comprenez? C'est possible aussi. Hein. Prabhupada, il dit comme ça, des oiseaux d'un même plumage, en fait, s'associent ensemble. Vous comprenez? Donc on ne se marie pas avec des gens pour rien.
C'est parce qu'on se marie avec des gens, soit qui ont envie d'atteindre la perfection, soit parce que ça nous va, parce que voilà, ce n'est pas leur but. Leur but, c'est d'avoir des beaux bijoux, un homme qui nous fait des belles paroles, qui nous offre de l'argent, une situation. Ça, c'est de la prostitution. On est avec quelqu'un parce qu'il nous apporte quelque chose de matériel. Ça, c'est de la prostitution. C'est pas de l'amour. L'amour, ça veut dire aller ensemble vers l'amour de Dieu. Parce qu'à la base, il y a l'amour de Dieu. Donc c'est pas évident. Peut-être que mes paroles sont dures, mais elles sont vraies. Alors bien sûr, personne, à part certains dévots, sont purs de cette manière-là. Donc tout le monde va au début vers une vie mixte. Mais on ne doit jamais oublier que notre but, c'est de devenir un associé du Seigneur. Sans ça, qu'est-ce qu'on fait là? Krishna, ce n'est pas une religion matérielle. Krishna, c'est la personne originelle. C'est le Seigneur qui vient pour ramener ses dévots dans son monde. Il vient pour ça. Yada, 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 il vient pour ça. Pour détruire la mentalité démoniaque. Pour donner la pure dévotion à Vrindavan, à Vraj. Chaitanya Mahaprabhu, quand il vient sur Terre, hein, il vient pour donner ce que personne n'a jamais donné, le Gauravani, les doux sentiments de Vrindavan. La plupart, beaucoup de dévots pratiquent sans savoir même pourquoi ils pratiquent. Ils n'ont même pas le but de l'existence. Donc quand ils se marient, c'est normal. Ils s'égarent. Après, ce n'est pas grave. Nasosti, dans une prochaine vie, on pourra continuer et progresser. Le Seigneur est miséricordieux. Mais si on veut savoir quel est le rôle des époux et quel est le but des époux, c'est super élevé dans notre voie. Les associés de Mahaprabhu, c'était des Mahabhagavat, des associés éternels. Ils étaient mariés. Mais c'est quelque chose d'inconcevable, le standard qu'il pouvait avoir. C'est pourquoi on doit avoir cette inspiration vraiment. On doit s'aider les uns les autres pour atteindre cette perfection. Si dans notre cœur il y a autre chose que Krishna, comment le Seigneur va pouvoir se révéler à nous? Comment notre pratique spirituelle va donner des fruits? C'est pas possible. Et c'est ça le problème. C'est que comme dans notre cœur, notre objet d'attachement n'est pas Krishna, quand on pratique, il n'y a pas de goût. Il n'y a rien qui se passe dans notre bhajan. On doit placer Krishna dans notre cœur et aimer les êtres à travers Krishna. C'est cette manière qu'on peut vraiment être protégé. Le Seigneur, de toute façon, il est dans le cœur de chaque être. C'est lui qui permet cette illusion de penser qu'on est le corps et même d'avoir une relation avec la matière. Ça ne serait pas possible. Donc, il est partout présent. On n'a pas à l'enlever de cette relation. On doit aimer les êtres en comprenant que c'est lui qui fait cette jonction, c'est lui qui permet d'aimer. Et à ce moment-là, Krishna va se révéler dans cette étreinte. Krishna va se révéler dans ces relations. Et on va atteindre l'amour de Dieu. Et ce qu'on donne dans ces échanges, c'est Krishna à nos enfants. C'est Krishna qu'on donne à notre mari. C'est Krishna qu'on donne à notre femme. Sans ça, c'est la prison. On dit aux gens, je t'aime, mais en fait, je te fais prisonnier. Je t'emprisonne. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est pour ça qu'on dit que c'est Kama, la concupiscence, que c'est pas l'amour. C'est une prison qu'on est en train de construire. Et on le sait. C'est juste une prison. C'est juste de l'illusion. Et ça, c'est pas notre philosophie. On doit sortir de l'illusion. Merci beaucoup.